Coucou mes beautés, j'espère que ça va, que vous allez bien mes chéris. Bon, je vous souhaite de passer un bon mercredi. Alors moi je vous explique, hier les filles, j'ai déserté Snap. Je suis à fond sur deux choses dont je ne peux absolument pas vous parler. Mais là ce mois-ci vous allez être... J'ai trop hâte. Je peux rien vous dire les filles, mais hier je me suis mise en off. Je me suis consacrée que sur ça. Il y a deux choses là, Inch'Allah, qui arrivent très très prochainement les filles. J'ai trop hâte. Et moi j'arrive pas à faire 500 000 choses en même temps. Donc je me suis dit, je vais me consacrer cette journée. Comme ça après on n'en parle plus. Donc voilà mes beautés, ça y est, je suis là, je vous quitte plus. En fait j'avais pas pu le faire vu que j'étais malade. Et hier c'était le seul créneau que j'ai trouvé. Donc je suis trop contente. J'ai super bien avancé avec mon équipe. Et j'ai trop hâte de vous en parler. Donc là je vous explique le programme du jour. On est mercredi, on est prêt. On va aller au marché. On va aller au marché avec Sina, maman, on va sortir Islam. Après on va aller faire des activités. Il a dit oui, ouais. Après on va aller unboxing avec tous les produits que j'ai pris. Je commence dès ce soir. J'ai trop hâte. Donc ce soir là, vu que je suis maquillée, on fera un double nettoyage et tout. Tout à l'heure, on ouvrira mon corps de colis. Dès que ça on appelle ça. Alors attendez les filles. Je l'ai ouvert à l'envers, non? Non, pourquoi si? C'est comme ça. Hop! Attention, on n'est pas. Ça m'a trop manqué les filles marché. Bon, il pleut, mais c'est pas grave. On va aller faire un petit tour. Ça date que je suis pas venue. Ça m'a trop manqué les filles. Alors ici, les filles, pour la petite anecdote, on venait tout le temps quand on était petits. Moi, viens. On va prendre des petites sardines. Alors ici, les filles, pour la... On va prendre du bon poisson, les filles. On va faire des sardines ce midi. On va prendre du bon poisson les filles, on va faire des sardines ce midi. On va prendre du bon poisson les filles. On va raconter les filles, on dormait chez ma grand-mère, elle habitait juste ici, juste en face, parce que là elle a déménagé. Et en fait tous les matins on dînait, tous les matins en fait on dormait le mardi soir et on dînait le mercredi.
vous savez, il me faut quoi, les filles? Il me faut des robes. En fait, des robes avec les voiles intégrées. Genre, vous savez, pour la prière, là, pour la salade. Ma grand-mère, elle m'a pris ici mon ensemble de salade. Il me faut trop un truc avec voile intégrée, là. Il faut que j'en trouve. Vous savez, il me faut quoi, les filles? Il me faut des robes. En fait, je suis en train de chercher un manteau pour finir. J'ai voulu un manteau, les filles. Maman, elle a pris son manteau chez Belle Miraz. Les filles, regardez comment il est trop beau. Trop belle. Maman, elle a pris son manteau chez Belle Miraz. Les filles, regardez comment... Ah, ma chérie, tu vas faire les sardines. Ouais. On va faire le plein de fruits et légumes maintenant, les filles. Qu'est-ce qu'ils sont bons, leurs fruits. On va prendre des clémentines et tout. Ah, ma chérie, tu vas faire... Ah, nous, ils la connaissent tous au marché. Mon pied de grand-mère. Ouais. Très bien. Ouais, c'est très bien. On va retenter l'expérience des Yongoulou. Hein, maman? Sans moi, c'est bon. Ouais. Très bien. Ouais, c'est très bien. On va retenter l'expérience des... Coucou. J'ai croisé plein de filles trop mignonnes. Je suis trop contente, en tous les cas. C'était un plaisir. Coucou. Le poulet du marché, les filles, le pain et tout. Qu'est-ce que c'est bon ici. Je m'en rappelle, ça me fait rappeler des souvenirs de fou. Le poulet, il y a plein de petites babioles ici. La star du marché. Plein de petites babies. T'as tout laissé à 3 euros. Alors là, non, j'en ai pour à tout 7 euros. J'ai au moins, allez, j'ai au moins 6 barquettes de fraises. Ouais. Et 3 barquettes de tomates cerises. Bénef. On a assez trouvé un petit manteau. On a fait les plein de légumes. Les sardines, maman. Sardines, 2 kilos, bah, ils sont là. Hop, voilà, on a fait nos petits pleins, les filles. Et là, on va les chercher. Bien sûr, j'ai même triplé le sac. Quoi? T'as tout laissé à 3 euros. Alors là, non, j'en ai. Bon, les filles, on va aller préparer des sardines. Des sardines inratables. Bon, les filles, on va aller préparer des sardines. Donc, on a bien nettoyé la sardine. Il y a bien toutes les écailles. Vous pouvez vous aider à aller dans le tuto, les filles. Hein. C'est pas un problème. Je vais venir faire... On coupe la tête. Attention. Insensible, s'abstenir. Et là, je vais venir enlever l'intérieur. Comme ceci. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais venir enlever l'arête. Alors, voilà. Et aller avec délicatesse, comme ceci. On va venir enlever l'arête, comme ceci, en entier, jusqu'au bout. Donc, on a bien nettoyé la sardine. Voilà ce qu'on doit obtenir, les filles. Voilà. Super. On fait ça, du coup, avec toutes les sardines. Voilà, c'est ça. Voilà ce qu'on doit... Quoi? C'est quoi, ça, Islem? Pomme, très bien. Et ça, c'est quoi, Islem? Banane. Banana. Dis banane. Et ça, c'est quoi, ça? Pop-pom. Pop-pom. Il n'y a pas de l'ananas? Pomme. Ça, c'est quoi? Orange. Bon, alors, du coup, les filles, on a fait toutes les sardines. Hein. Tout a été... Les arêtes, elles ont été enlevées, tout a été fait, donc c'est nickel. Donc là, je vous explique, on va passer à l'étape 2, les filles. Vous allez tanner du persil madnos comme ceci, ok? Donc vous allez mixer du persil et de la coriandre.
Bon, alors du coup, les filles, on a fait toutes les sardines. Hein. Tout a été... les arêtes, elles ont été enlevées. Tout a été fait. Donc, c'est nickel. Donc là, je vous explique. On va passer à l'étape 2, les filles. Vous allez tanner du persil, madnos. Extraire le maximum de jus, les filles. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. Alors, une petite astuce. On va bien compresser comme ça sur le citron. Du coup, vous allez avoir un maximum de jus. Donc là, les filles, on met le jus de citron. Là, je vais mettre des épices. On va mettre un peu de paprika. Ok. Un peu de kamol, un peu de sel, un peu de poivre. Du cumin, du sel, du poivre. Okay. Ensuite, tu vas venir les tremper dans les... Ouais, je vais mélanger et okay. Je vais te faire montrer après comment on fait pour mariner sardine par sardine, c'est lui. Ok. Je vais essayer de mariner une par une. Après, vous pouvez tout mélanger en même temps. Ah, attention. Voilà. Moi, ce que j'aimais bien faire aussi, c'est quand je laisse un petit peu de persil, tout ça, je les colle comme ça. Et j'en mets et je vais écrire comme ça après. Mmh. Après, ça c'est bien quand on le fait la veille. Pour le lendemain, c'est meilleur. On a tous les arômes de la marinade qui se marinent dans le poisson toute la nuit. Et c'est vraiment excellent. Tu peux filmer, je vais l'expliquer. Ouais. Ok. Donc là, j'ai juste passé dans ma panure. En fait, on peut faire plusieurs panures. Tu peux faire semoule tout court. Okay. Ou tu peux faire moitié semoule, moitié farine. Donc là, aujourd'hui, on a pris essentiellement de la semoule extra fine. Ça, c'est aussi. Ok. Voilà. Et après, tu mets dans l'eau. Après. Ouais, bouge ton yep, pas ça. Ouais, mon. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Les sardines, ils ont une autre gueule dès que tu les fais. C'est vrai? Elles sont pas bonnes? Non, mais oui, au contraire. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Les sardines, ils ont une autre gueule dès que tu les fais. C'est vrai? Elles sont pas bonnes? Non, mais oui, au contraire. C'est quoi? Oui, oui, oui. C'est moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Attends, c'est bon, 2 minutes, s'il vous plaît. Bon, mes beautés, du coup, ça y est, on a fini notre petit après-midi. C'était trop bien. Petite matinée, petit après-midi chez Hina, chez notre grand-mère. Mes cheveux, ils sont même pas faits, les filles. C'est une catastrophe. Faites pas attention. On a kiffé, franchement, on a trop bien mangé. Après, il y avait mes oncles. Mes tantes, bref, on a passé une petite après-midi ensemble. Islam, il a joué avec ses cousins, il y avait Anissa aussi, les filles. Bref, c'était trop bien, j'ai kiffé. Donc là, on rentre à la maison. Je vous fais. Ça, c'est des petites chaussures de mon fils. Je vous fais le unboxing, les filles, des produits là. J'ai trop, trop hâte. J'ai un haul à vous faire aussi. Bon, les filles, je viens récupérer des colis qui vous avaient pas été récupérés à Mondial Relais. Ils me les ont renvoyés. Je vais vous écrire un mail. Bon, les filles, je viens récupérer